En 70 ans de règne, rares ont été les fois où Elisabeth II a annulé un voyage officiel. Pourtant, mercredi 20 octobre, CST a contre-cœur que la reine a décidé de ne finalement pas se rendre en Irlande du Nord, un déplacement prévu de longue date qu'elle a choisi de ne pas honorer, et ce sur les conseils de son médecin. Du haut de ses 95 ans, elle a ainsi été forcée à se reposer, et ce jusqu'à nouvel ordre, un voyage aussi long n'étant pas raisonnable selon son médecin au vu de son âge. Si cela n'a rien à voir avec le Covid-19, il semblerait selon The Mirror que ce dont Elisabeth II souffre soit une maladie courante en automne, au moment des changements de température. Une source a ainsi précisé au tabloïd que la reine avait montré de légers signes d'un rhume saisonnier, et, bien que vaccinée, a également été testée au Covid-19 pour écarter définitivement l'hypothèse du virus. Un résultat négatif, au grand soulagement de la famille royale, mais aussi de la reine elle-même, qui devrait pouvoir reprendre rapidement ses engagements officiels. Le 1er novembre prochain, elle sera d'ailleurs attendue en Écosse, elle qui en attendant se repose, prenant à l'occasion un grand bol d'air, elle qui a été aperçue lors d'une promenade à Windsor avec ses chiens. Elisabeth II ne veut pas que son âge la définisse, si est-il avec beaucoup de déception que Elisabeth II a décidé de se soumettre à la vis de ses médecins, elle qui semblait pourtant assez en forme ces derniers jours pour organiser une petite fête avec le prince Charles, ainsi que le prince William. Mais visiblement, tandis que ses médecins lui ont conseillé d'abandonner l'un de ses petits plaisirs quotidiens pour sa santé, voilà qu'elle doit également, en raison de son âge, renoncer à un déplacement. Un coup dur pour Elisabeth II, qui du haut de ses 95 ans refuse d'être définie à partir de ce critère. Si bien qu'elle en a récemment refusé le prix d'Oldie of the Year, soit personne âgée de l'année. Sa Majesté pense qu'on a l'âge que l'on ressent. Et selon cette définition, la reine ne pense pas correspondre aux critères du magazine ni être en position de recevoir ce prix qui, elle l'espère, sera attribué à un candidat plus approprié. Avait confié ses conseillers. Le ton est donné.